Hey! Coucou mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais tenter une nouvelle fois. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est pas la quatrième. Oui, c'est bien la cinquième fois que je vais tenter le 10 minutes build challenge. Construire une maison en l'espace de 10 minutes. Ça ne m'a jamais réussi, ou alors c'était soit très moche, soit alors j'avais fait une belle bicoque mais complètement vide. Cette fois-ci, il faudrait que j'essaye vraiment de faire quelque chose qui soit joli, mais rempli, surtout. Hein, c'est surtout ça qu'on veut. C'est parti donc, c'est dans le beau quartier de Mont Komorebi, et je pense que c'est Wakaba, là où il y a une belle cascade et un beau petit lac dans lequel se baigner, que je vais tenter de construire une maison. Mais vraiment tenter de construire une maison. Habitable en fait, avec des meubles, parce que voilà, parce que c'est bien gentil tout ça. Mais alors peut-être que je vais essayer de donner un style un peu asiatique, mais je ne vous promets rien. Enfin, ça va être parti, hein. J'ai très peur parce que d'habitude je suis toujours en stress quand je dois construire une maison. Et là, je sais pas vraiment sur quoi je vais partir. Est-ce que je fais quelque chose de plein pied ou est-ce que je fais quelque chose à étage? Ouais, plein pied, ça serait peut-être plus simple, mais je suis pas sûre d'aimer le. Ouais, je sais pas encore. En tout cas, je sais pas encore. C'est ça qui est beau, mais je me lance. Mais c'est parti! Attention, mes fripons, nous sommes déjà partis pour construire une maison. Alors, je vais faire un rectangle ici. Peut-être... Ouais. Là, ici, comme ça. Ça, ce serait la partie cuisine. Cuisine, comme on dit. Et puis, ici, on va faire une petite... voilà, un petit espace avec chambre. Genre, là, je vais faire chambre. Et en bas, ce sera les pièces de vie. Bon, alors, on va partir là-dessus. Je vais déjà mettre des toits. Vous allez voir, ça, on va essayer de faire un truc un peu sympathique. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, en vrai. Hein. J'en sais jamais rien, moi, de ma vie. Hein. Vous le savez, au bout d'un moment, vous commencez à me connaître. Si vous ne me connaissez pas, eh ben, c'est pas grave, vous ne loupez rien. Oh, c'est sympa, ça, dit donc. Enfin, je sais pas en vrai si c'est vraiment sympa, mais bon, voilà, je bidouillette. Ouais, je sais pas ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. On va mettre un toit ici. Je vais faire ce que je peux dans les possibilités que j'ai, c'est-à-dire, je stresse toujours quand je fais un 10 minutes build challenge. Je parle sans discontinuer non plus. C'est chiant. Pour vous, pour moi, pour l'humanité, évidemment. Là, je vais reprendre le même toit que je vais coller derrière. Tac, je vais le réduire et allonger. Hop, disons que ça fait une petite maison sympa. J'aime bien. On va partir sur, voilà, super. En rouge ou en noir? Parce qu'en rouge et noir, Jeanne Masse, elle aimait bien. Hein. Mais, ah oui, il a pas sélectionné. Voilà comment... Pourquoi le jeu aussi ne m'aime pas? C'est parce qu'il sélectionne pas. Quand je veux sélectionner, il ne sélectionne pas. Donc c'est pas de ma faute si je rate tout le temps. C'est la faute du jeu. Oui, moi je vous le dis, c'est la faute du jeu. Et puis d'ailleurs, il faudrait que j'arrête de parler et de vous regarder. Sinon, je vais perdre encore plus de temps. Mais bon, hein, on commence à s'habituer. Shirley, elle dit que de la merde pendant 10 minutes. C'est comme ça, les 10 minutes du challenge. Parce que je sais pas, je me dis que parler autant, peut-être que ça réduit... que le temps passe trop vite, quoi. Hein? Hein? Merde, je trouve pas. Ah si, c'est ça. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Je suis pas sûre que ce soit... Ouais, non, ça passe. Une petite décoration de toit. Bon, on n'a pas les décorations que j'aurais aimé avoir... avec les petits bitonios, mais c'est pas grave. Alors, on va choisir. Voilà, une petite fenêtre, très bien. Tac, tac et tac. Ça, c'est super nickel chrome. Voilà. Les fenêtres à l'étage, ça passe. Est-ce qu'on a des fenêtres sympathiques? Oui, on a des fenêtres sympathiques. Pour le rez-de-chaussée. Incroyable, mais vrai, nous en avons. Oui. Vous ne le saviez pas, et vous le saurez maintenant que nous avons des fenêtres pour le rez-de-chaussée. C'est dingue. Je dis tellement de merde, mais j'en suis malade rien que de m'entendre. Je vous plains. Alors, il y aura peut-être beaucoup trop de fenêtres. Je sais pas, j'arrive pas à dire. De toute façon, on n'est pas là avec un budget. On s'en fiche. Ah oui, parce que oui. C'est la logique de Shirley. Ok, parce que c'est toi qui dois être comme ça en fait. D'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai fait mon extérieur. À peu près, hein. On va essayer de compartimenter maintenant tout ça. On va faire un escalier, parce que ça sert pour monter un étage par exemple. C'est ce que les humains utilisent en général assez souvent, hein, des escaliers. C'est ça, ça se fait.
Ça se fait en général, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais vrai, ni de compliqué, c'est mal placé. C'est très très mal placé, ça ne va pas. En plus, comme je suis en stress, je ne sais pas ce que je fabrique. Oui, d'accord, non, bah non, ça va pas, non, 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 il faudrait que je change. Et ça m'a embarqué la fenêtre en plus. Oh là là, ça y est, ça commence les ennuis. Ça commence les ennuis, on va comme ça peut-être. Ouais, c'est pas l'idéal, mais ça passe. Ça m'a flingué une fenêtre ou deux, bien sûr. Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. C'est comme ça, c'est. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Ici, ok. D'accord. Bon, alors. Ok, un sol. Je vais y arriver. Un sol. Ce serait cool d'avoir un sol. Oui, c'est en général. On a un petit plancher, un truc. Pourquoi je trouve pas ce que je veux? C'est horrible. Je peux pas. Voilà, mais le temps que je fasse ça, moi je perds du temps. Voilà, c'était ça que je voulais. Un petit intérieur avec quelque chose de douillet. De douillet. Comme David. Ouais, comme David. Ouais, il est cool en plus, hein, David. Enfin, j'en sais rien, je lui ai jamais parlé, mais. Ouais, bon, on va laisser ça comme ça. Je vais mettre du carrelage. Il n'y en a pas, évidemment, bien sûr, tout comme d'habitude. Voilà, hein, ce sera pour la cuisine. Blanc, parce que j'ai pas d'autres inspirations. À l'étage. Hop, on va faire ça aussi. Hein, voilà. Je vais changer le sens pour mettre comme ça. Voilà, ça changera, pourquoi pas. Il faudra aussi une salle de bain à l'étage. On va la mettre là, puisque ce sera une petite maison seulement pour deux Sims. Hein, on s'en fiche. Ici, je vais faire. À toilette en bas. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Ok, donc du coup, il va falloir que je prenne. Oh là là, en fait, quand je suis stressée, j'arrive plus à prendre ce qu'il faut et à choisir ce que je veux faire. On va mettre tout ça à l'intérieur, c'est pas grave, c'est super, ça passe bien. Tac, 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 ça normalement ne doit pas être comme ça, mais ça le sera. Oh, j'ai l'impression de perdre tellement de temps, vous avez pas idée, et je suis sûre que j'en perds énormément. Non, tu vas mettre ça, voilà, ça sera. En carrelage. J'arrive pas en fait, Je suis vraiment pas douée dans ce genre de défi parce que j'aime pas aller vite. Mais il y a des fois où je m'impose d'aller vite, mais j'y arrive mieux. Souvent en live d'ailleurs. Parce que j'ai l'impératif d'aller vite parce que je suis en live, mais en même temps, je prends le temps. Donc c'est un peu débile. On va peut-être mettre une porte, ça pourrait peut-être aider, hein, pour rentrer dans une maison. Ouais, mais c'est des trucs qui sont généraux hein, aussi pareil. Hein. Soyez pas étonnés comme ça. Moi j'en ai vu, ils avaient des portes pour rentrer. Donc on va mettre celle-ci. Voilà, c'est très bien. Je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Et j'ai pas envie de le savoir. Au niveau des portes, 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 petites portes, on s'en fout. On va mettre un truc comme ça. Tac. Et là-haut. Tac. Voilà, comme ça j'ai aussi mes portes. J'ai une maison coquille qui est prête. On va commencer à mettre les trucs de cuisine. Fric, en plus on en a des trucs de cuisine du monde Komoribi. Oh non, on commence pas. Quand je clique, tu viens quoi. À un moment donné, le jeu, il me hait ce jeu. Je sais pas pourquoi, mais il m'aime pas. Il a toujours envie de me mener la vie dure. Moi, j'aime pas ça. Hein. C'est pas cool. C'est pas Charlie comme on dit. Hein. Ok. Nous avons aussi une nouvelle gazinière qui est ici. Voilà, on va la prendre enfoncée comme ça, c'est très bien. Un nouveau frigo. Au moins, il y aura presque une cuisine complète si je le trouve. Il est ici. Voilà. Le frigo, on va le mettre. Ah, oh, mais je vais le mettre là, en vrai. Mais, allez! Voilà. Ouais, mais colle-toi au mur aussi, Jean-Pierre. Attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà. Oh là là, on a une cuisine incroyable, mais vrai, il n'y a pas d'évier. Mais parce que moi, je mets rarement des éviers. Mais je vais en mettre un parce que je suis sympa. Et parce que voilà, j'ai envie qu'il y ait un évier, parce que c'est des trucs qui sont. Oh la vache, oh la vache, la vache. Alors, un toilette, un toilette, un toilette. En plus, il n'y a plus de musique. Il n'y a rien de pire pour me stresser. Il n'y a pas de musique dans le monde de construction. C'est ignoble. C'est très ignoble. Tu vas. Voilà, on va prendre ça. Hop, le toilette là. Incroyable, mais vrai. On a. Un miroir, parce que c'est sympa les miroirs.
Ça permet de refléter sa tronche. Ah non, ça ne va pas du tout avec le... Oh, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Je suis pas là pour ça. C'est tant pis, hein, moi je fais ce que je peux dans ce que j'ai. Alors, on va mettre ça. Tac, le PQ, bien sûr. Il y a les murs, donc il a pas envie de se poser ou j'ai envie qu'il se pose. Tac, ça c'est fait. Allez, on pense plus. On pense plus, on n'arrive plus à penser. Oh, mais je vous jure que je stresse là à l'heure actuelle. J'ai envie d'essayer les. Je sais que je clique n'importe où, c'est une horreur. Ça. Tac, tac, voilà. Oui, mais non! Je voulais des murs. Mais non, mais c'est. Non, mais c'est pas ça. Ah, mais pourquoi? Oh là 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 là, mais cet enfer. Mais non! Mais purée, mais c'est pas possible d'être aussi gauche! Ah là 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 là, voilà, moi je voulais faire ça. Je voulais rendre un petit peu, voilà, une petite. Voilà, je sais pas. Oh, je fais n'importe quoi, c'est horrible. Alors. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. C'est horrible. Je vous dis, c'est horrible. Je n'arrive pas à être concentrée. On va mettre un petit canapé comme ça. Voilà. Une table basse. Eh ben, c'est trop tard. Voilà, c'est fini. C'est fini, les 10 minutes sont passées. C'est encore un échec. Comme d'habitude, c'est toujours un échec. Bon. C'est presque bien. En même temps, j'ai quand même eu encore un souci avec des trucs comme ça. Là, que ça clique pas quand ça, quand je veux cliquer. Bon, c'est quand même un truc qui aurait pu être sympa. Mais c'est encore un échec à mon actif sur le 10 minutes build challenge. Décidément, j'ai essayé, hein, j'y ai cru très très fort dans mon cœur, mais ça n'a pas fonctionné. Après, je la trouve pas dégueulasse. Elle est très mignonne de l'extérieur. Il y a du potentiel. Mais bon, il y a tout à faire quoi. De toute façon, je vous la partagerai telle quelle dans la galerie si vous avez envie de l'aménager. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous l'avez aménagé avec votre idée origine et j'irai regarder. Moi, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette petite vidéo de 10 minutes but challenge et ce nouvel échec. Un jour, peut-être, j'y arriverai. Faudrait que je m'entraîne ou pas, peut-être. Allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao, ciao!